L'EFT, ou Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle en français, est une méthode de thérapie alternative qui combine des éléments de la psychologie et de l'acupuncture pour traiter les émotions négatives et le stress. Développée dans les années 1990 par Gary Craig, l'EFT est souvent décrite comme une forme de acupuncture sans aiguille, utilisant des tapotements sur des points spécifiques du corps pour libérer les émotions bloquées. Les origines de l'EFT. L'EFT trouve ses racines dans la médecine traditionnelle chinoise, qui repose sur l'idée que l'énergie vitale, ou qi, circule dans le corps le long de méridiens. Selon cette approche, les blocages dans la circulation de l'énergie peuvent entraîner des problèmes émotionnels et physiques. Gary Craig, ingénieur en informatique de formation et praticien de la psychologie, a adapté ses concepts pour créer une méthode accessible et pratique qui ne nécessite pas de connaissances approfondies en acupuncture. Comment fonctionne l'EFT ? L'EFT se base sur la stimulation de points spécifiques du corps, appelés points de méridien, par des tapotements légers avec les doigts. Voici un aperçu du processus typique de l'EFT, identification du problème. Le premier pas est de clarifier le problème émotionnel ou physique que vous souhaitez traiter. Cela peut être une émotion négative comme la colère ou la tristesse, ou un problème physique comme la douleur. Évaluation de l'intensité. Avant de commencer les tapotements, vous évaluez l'intensité du problème sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie aucune douleur ou émotion, et 10 signifie une douleur ou une émotion intense. Formulation d'une phrase de problème. Vous formulez une phrase qui décrit le problème et inclut une affirmation de self-acceptance. Par exemple, « Même si j'ai cette peur de parler en public, je m'accepte profondément et complètement. » Tapotement. Vous tapotez doucement sur des points spécifiques du corps tout en répétant la phrase de problème. Les points de tapotement incluent généralement le sommet de la tête, le début des sourcils, le côté des yeux, sous les yeux, sous le nez, le menton, la clavicule, sous le bras. Réévaluation. Après un ou plusieurs cycles de tapotement, vous réévaluez l'intensité du problème sur l'échelle de 0 à 10. Vous pouvez répéter le processus si nécessaire en ajustant la phrase de problème selon les nouvelles sensations. Les principes fondamentaux de l'EFT. L'énergie émotionnelle. L'EFT repose sur l'idée que les émotions négatives résultent d'un déséquilibre énergétique dans le corps. En tapotant sur les points de méridien, on cherche à rétablir l'équilibre énergétique et à libérer les émotions bloquées. La phrase de self-acceptance. L'inclusion d'une affirmation de self-acceptance dans la phrase de problème est cruciale. Elle permet de réduire la résistance et de promouvoir une attitude de compassion envers soi-même, ce qui aide à faciliter le processus de guérison. La flexibilité. L'EFT est une technique flexible qui peut être adaptée à une variété de problèmes émotionnels et physiques. Elle est utilisée dans des contextes aussi divers que le stress quotidien, les phobies, la douleur chronique et même les addictions. Les applications de l'EFT. Gestion du stress. L'EFT est souvent utilisé pour aider les individus à gérer le stress quotidien et les tensions émotionnelles. Les tapotements peuvent induire un état de relaxation profonde, aidant ainsi à réduire le stress et l'anxiété. Traumatisme et phobies. L'EFT peut être efficace pour traiter les traumatismes et les phobies. En travaillant sur les émotions liées à un événement traumatique ou à une peur spécifique, les individus peuvent souvent trouver un soulagement significatif. Douleurs physiques. Bien que l'EFT ne remplace pas les traitements médicaux traditionnels, certains pratiquants rapportent des améliorations dans la gestion de la douleur physique en combinant l'EFT avec d'autres approches thérapeutiques. Amélioration de la performance. L'EFT est également utilisé pour améliorer la performance dans des domaines tels que le sport et les arts. En réduisant l'anxiété et en renforçant la confiance en soi, les individus peuvent de souvent atteindre de meilleurs résultats. La recherche et l'EFT. Bien que de nombreuses personnes rapportent des bénéfices personnels de l'EFT, la recherche scientifique sur son efficacité est encore en cours. Certaines études ont montré des résultats prometteurs, notamment dans la réduction du stress et de l'anxiété. Cependant, comme pour toute approche thérapeutique, les résultats peuvent varier d'une personne à l'autre, et il est important de consulter des professionnels de la santé qualifiés pour les problèmes graves.
les critiques et limites de l'EFT. Absence de fondement scientifique solide. L'une des principales critiques de l'EFT est le manque de fondement scientifique solide pour expliquer pourquoi et comment elle fonctionne. Bien que de nombreuses personnes trouvent de la valeur dans la méthode, certains experts exigent davantage de preuves empiriques. Dépendance à la pratique. Certaines personnes peuvent trouver que les résultats de l'EFT sont temporaires et nécessitant une pratique régulière pour maintenir les bénéfices. Il est important de ne pas considérer l'EFT comme une solution miracle, mais plutôt comme un outil complémentaire. Variabilité des résultats. Les effets de l'EFT peuvent varier considérablement d'une personne à l'autre. Ce qui fonctionne bien pour une personne peut ne pas être aussi efficace pour une autre, ce qui peut poser des défis dans l'évaluation de son efficacité. Conclusion. L'EFT est une approche thérapeutique qui propose une méthode simple et accessible pour traiter les émotions négatives et le stress. En combinant des éléments de psychologie et de médecine traditionnelle chinoise, elle offre une technique unique de gestion des émotions basée sur la stimulation des points de méridien par des tapotements. Bien que l'EFT soit utilisé avec succès par de nombreuses personnes pour divers problèmes émotionnels et physiques, il est important de continuer à explorer et à valider ses effets par la recherche scientifique. Comme pour toute méthode de thérapie, il est essentiel d'aborder l'EFT avec un esprit ouvert et critique et de la considérer comme un complément aux approches traditionnelles de soins de santé.